des mers. Oh là là, doucement. Pardon, papa. Où vas-tu comme ça? C'est la fête des mères. Maman et moi allons toujours pique-niquer pour fêter ce jour-là. Et j'ai cueilli cette rose pour elle. Elle adore les roses de cette couleur. Oui, c'est vrai. Je vais la lui offrir. À plus tard. Amuse-toi bien. Maman, maman, bonne fête. Merci, c'est un beau cadeau. Ambre a eu l'idée de la licorne et moi j'ai cueilli toutes les roses. Vous êtes adorables. Oh, Sophia, c'est pour moi? Merci, ma chérie, elle est magnifique. Figure-toi que je viens d'inviter James et Ambre à venir pique-niquer avec nous. C'est vrai? Au lieu d'aller au bord de l'étang, nous irons sur l'île Goéland. Sur une île? Oh oui, Monsieur Bella a déjà tout arrangé. Et tu as vu, je porte mon diadème de croisière pour l'occasion. Je vais chercher ma canne à pêche. Et moi, ma chaise longue. Ambre, nous ferons la traversée en barque, pas en yacht. Mais d'habitude, nous ne partions que toutes les deux. C'est vrai, mais je ne suis plus que ta maman, je suis aussi la leur. Nous allons bien nous amuser. Tu verras. J'ai préparé le panier à pique-nique. Oh, je m'en suis occupée. J'ai commandé au cuisinier un pique-nique royal pour tout le monde. Oh. En route pour le pique-nique de la fête des mères. Attention, nous partons. Nous avons prévu des jeux très drôles pour aujourd'hui, maman. N'est-ce pas, James? Oui. Je suis tellement contente, maman. Nous allons passer une merveilleuse journée. Qu'est-ce que c'est? Oh, la roue! C'est une énorme pastèque! Oh! Eh bien, voilà quelque chose de peu banal. Enfin, comment est-ce possible, Monsieur Bellet? Je n'en ai pas la moindre idée, Votre Majesté. Oh, hé! Je vous ai vu, je sais que vous êtes là, montrez-vous! Hé! Maman! Lucinda! Désolée, Sophia. C'est toi qui as lancé un sort à notre carrosse? Je te croyais devenue gentille. Non, ce n'est pas moi, c'est ma mère. Lucinda, qu'attends-tu pour faire comme moi? Bonjour, madame la sorcière. Je préfère madame la méchante sorcière, si tu veux bien. Peut-être as-tu besoin d'un autre mauvais sort? Non, maman, s'il te plaît. Sophia est mon amie. Oh, ton amie? Oh, oh, oh. Les méchantes sorcières n'ont pas d'amis. Il n'y a que des personnes qui n'ont pas encore entendu parler de nous. Allez, suis-moi, Lucinda. Profitons comme chaque année de cette merveilleuse fête des mères et des mauvais sorts. Fête des mères et des mauvais sorts? Oui, c'est une sorte de tradition pour nous. Nous profitons de la fête des mères pour lancer des mauvais sorts. Elle ne sait pas que je suis devenue gentille et que cela ne m'amuse plus. Et puis j'ai tellement envie de lui faire plaisir. Oui, je te comprends. Hein? Ma mère et moi avions l'habitude de pique-niquer ensemble ce jour-là. Mais cette année, elle a invité mon demi-frère et ma demi-sœur. J'aurais tant aimé, comme autrefois, que ce soit maman et moi. Avant tout ça, nous vivions à deux, rien qu'à deux. Exclusivement à deux, maman et moi. Un rien nous amusait, même quand on travaillait ou quand on cuisinait, maman et moi. Quand il pleuvait, on trouvait toujours une idée pour inventer comment se déguiser. Que maman et moi.